Information, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, internautes. Yon avertissement clair pour Emmanuel Macron, guerre avec Tipatouye Kokobe. La Russie promet li que y a fait soldat yon rentrer dans ses cailles et puis yon drapeau tricolore sur yon même. Et c'est à part destination finale yon, mesdames, messieurs, yon tout noir qui se yon cimetière. La Russie promet soldats que la France a voué dans l'Ukraine, yo, et bien, il a retourné, mesdames, messieurs, comme on dit, il a deux pieds devant ou bien deux pieds derrière. Bon, n'importe qui a retourné, c'est non-sens comme ça, mesdames, messieurs. Nous prenons le temps de vice-président Douma Ruslan, par vos côtés, parler dans un entretien sur BFM TV, qui tape parler causé. La caille par nous en Haïti, situation vini plus que compliquée. Population civile là, dans Pétionville, pas suspendre, constater que gagnent plusieurs hélicoptères qui a venu prendre une série citoyen pour capable retirer yo dans localité ya. Est-ce que yo mettez yo dans l'autre pays ou bien yo mettez yo dans l'autre endroit dans pays ya non pas connait, mais si on remarque que population civile là pas suspendre fait spécialement dans Pétionville. Nous capable dit que problème nous en pile avant nous continuer m'a rappeler aux sous immigrants m'a inviter qui ton like. Quitte yon ti j'aime pour dire que vous remet travail ça, lorsque vous partagez, vous permettez plus de monde informé et aider travail ça grandit tout, pas hésiter à dire ce pensé dans l'espace commentaire. Sans perdre du temps, nous prenons le temps de M. Saki sur l'écran qui est vice-président Douma Ruslan, M. Tolstoy, qui était dans un entretien sous BFM TV et qui a averti la France sous conséquence choisie. En nous tendez, mesdames, messieurs. Ma question, c'était de savoir si Poutine allait continuer la guerre avec objectif Kiev ou bien la prise d'Odessa. Est-ce que c'est ça maintenant l'objectif compte tenu du résultat? Compte tenu le résultat, Ulysse, moi je peux vous dire ma propre avis, mon propre volonté, c'est continuer jusqu'à la frontière polonaise. Odessa, avec légion étrangère, on sera ravis. Donc l'idée du président Macron d'envoyer légion étrangère à Odessa, c'est génial. Comme ça a été le cas pour le char français qu'on a brûlé lors de désastres offensives ukrainiennes de cet été. Le problème, c'est que vous sentez que vous êtes en train de perdre cette guerre et vous êtes en panique en cherchant une solution. Pour les Français, le rhétorique de Macron sur l'envoi des légions étrangères à Odessa, ça le prie hein, aussi, parce que quand ils vont revenir en cercueil couvert par le tricolore, je ne crois pas que les Français seront contents. Vous faites référence aux propos du président de la République sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol, même si, dit-il, il ne le souhaite pas et il ne sera pas à l'initiative. Quand vous dites il y a des soldats qui vont rentrer dans des cercueils avec un drapeau tricolore, c'est quoi? C'est une menace que vous envoyez au président Macron? Non, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est le sort de tout l'équipement de l'OTAN et tous les soldats de l'OTAN qui aujourd'hui sont en Ukraine. Je peux vous donner les chiffres si vous voulez, si ça vous intéresse. Je ne sais pas que le dernier temps. En Ukraine, il y avait en général, durant ces deux ans, 13 000 mercenaires, dont 356 Français et dont 147 ont été tués. Et c'est marrant comment on fait espèce de légalisation de ces pertes en racontant aux gens qui sont morts sous l'avalanche dans les montagnes ou que les officiers étaient dans un hélicoptère qui a tombé à Miami. Donc, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous sommes bien au courant de la participation étrangère. Ça nous ne fait pas peur, donc ça peut-être excite un peu l'opinion publique en France, mais ça va terminer par les cercueils à Orly, et je crois que pas Macron qui va les accueillir là-bas dans l'aéroport. Il faut quand même le dire. Hein. Pour l'instant, la Russie n'a pas gagné la guerre et l'Ukraine résiste à l'invasion russe, il faut le dire. Non, quand même, l'Ukraine a perdu complètement l'initiative après une défaite désastre de cet été. Donc, l'initiative est aux Russes et on va avancer pas à pas, sans se dépêcher. Vous inquiétez pas, on a le temps. Malé avec Tipatouye Kokobe, ou bien guerre avec Tipatouye Kokobe, c'est exactement ça, vice-président Douma Ruslan a dit avec Emmanuel Macron.
Nous au courant que gagnent environ 13 000 mercenaires dans le pays Ukraine. Nous au courant que en pile là-dedans, ils perdent la vie, spécialement français. Mais ils ont garanti un bail avec la France. S'ils décident de voyer soldats spécialement dans ville de ça, eh bien, ils ont rentré la caillou dans le cercueil. Et ils ont un drapeau tricolore sur eux-mêmes. Ce n'est pas un avertissement. Nous ne sommes pas capables de dire un avertissement encore parce que Emmanuel Macron déjà averti. Eh bien, ses réponses, avertissement, Emmanuel Macron, de préférence, nous-mêmes, nous avons dit comme ça. Si Emmanuel Macron réellement fait choix là, de façon officielle pour goumer contre la Russie, eh bien la Russie promet les tout en bagaille, c'est fait soldat lui entrer dans ses quais et puis destination finale, c'est cimetière. Nous sommes capables de voir que la situation est venue plus compliquée que gens que nous avons pensé. Nous avons toujours été dans ça qui concerne la guerre, l'armée pays la Russie, mesdames, messieurs, bah, ils craignent plus de problèmes. Dans la date qui était 21 mars, l'armée pays la Russie a annoncé qu'ils ont libéré un village qui est Tonenkoye, qui est situé dans l'ouest ville Adevka, que l'armée pays la Russie a fait une belle bataille pour lui-même là. Au lieu Ukraine prend territoire, c'est perdu, la perdu plus territoire. T'assemblé, c'est une des raisons qui fait allier Ukraine désormais. Yo vle, c'est eux-mêmes qui pourra le goumer parce que Jean Barrella est là, ils ont utilisé plusieurs méthodes par procuration, ils pas marché. La Russie, nous capable de dire la Russie campé dans un mime, malgré tout milliard qui a dépensé en faveur Ukraine et en pile sanctions qui accompagnaient milliards ça yo. Par bon côté Ukraine lui-même, li a tiré revanche li dans l'autre méthode, c'est lancer roquettes, lancer missiles, Jean le passé, ça le fait, c'est comme ça phénomène là est sous territoire russe qui les Belgorod côté l'armée pays Ukraine nan gens qui capable garder sous écran on pas suspend bombarder installation civile et puis bombarder pour capable touiller civil tout en image ça jodi a qui c'est 22 a yon roquette l'armée pays Ukraine nan tombé on capable dire aller libre dans yon la rue yon dame qui t'a marché avec yon chien et bien li arrivé mourir mesdames messieurs gens qui capable garder là roquette là, il est tombé à proximité li et puis madame nan malheureusement tout perdit la vie li. C'est dans méthode ça que la mes pays Ukraine nan a travaille Belgorod mesdames messieurs n'est capable dit c'est Jean le passé ça le fait. Une méthode que ministère défense pays la Russie en pas suspend dénoncer parce que Ukraine apparemment a forcé au fait même bagaille là tout si tirer missile n'importe côté le tombé. Bon, la Russie qu'on fait le tout, qu'on tire missile côté le tombé, mais apparemment méthode Ukraine n'a assemblé, c'est ça et spécialement que l'État va plus viser. N'a pas quitté Ukraine, nous a traversé la caille. Un phénomène insécurité, tête chargée, population civile là sans sécurité, y a cherché refuge dans une série bâtiment l'État. Ces phénomènes n'ont pas au prince ministère, en pile ministère gagné. Civils qui débarquaient pour venir chercher refuge, l'État pas capable de protéger yo. Et bien, moun ki gen kòb yo tout, qui était généralement privilégié, pas gagné l'État encore. Et bien, par bon côté pa yo, yo commencé la guépier dans Pétionville. C'est dans hélicoptère privé, c'est ça, en pile vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, yo montré. Mesdames, messieurs, dans un pays côté moun ki gen kòb ap kouri, moun ki gen connaissance ap kouri, finalement non abandonné la avec gang armé. Yon seri moun ki pa pense fè pays, yon seri moun ki pa pense développement durable. Yon seri moun peut-être ki gen connaissance mais c'est pas application connaissance là qui priorité yo. Si yon seri moun ki choisi vivre de hing-hang, ki choisi vivre de tuer pour régner, ki choisi vivre de kidnapper pour faire capital. Nous finalement remettre Haïti face avec une situation et un destin incertain. Une population civile qui a théorisé ou a gagné une collectivité qui a piloté par main étrangère pour propre intérêt personnel yo et puis qui pral ban nou une occupation une force étrangère encore qui pral ban nou une situation qui pi compliquée mesdames messieurs qui paye dans monde là pour moun qui gagne l'argent à courir pour moun qui gagne connaissance à courir comment veut les pays ça vivre c'est tout abandonné.